match. Très grand match sur le plan défensif et très grand match sur les sorties de ballon. Je l'ai dit, le but, Faez sort et crée la supériorité. Gravier, même chose. Après, c'est sûr que quand il y a autant d'attaquants de Lyon, on n'est pas à la merci chaque fois d'un geste qu'on a fait d'embêlé, mais je crois qu'il y a vraiment du positif à retenir pour eux. Malheureusement, ça ne se convertit pas en points, mais c'est vrai que dans des saisons comme ça, on a envie vite de marquer des points pour monter dans le classement. Un partout donc entre Reims et Lyon, hein, ne bougez pas toutes les réactions. On attend évidemment les invités, hein, Peter Bosz, notamment les coachs à notre micro. Vous retrouverez ça dans Dimanche Soir Football. On va regarder les résultats de ce dimanche fou de foot. On vous le rappelle, Nantes qui a battu Toulouse, la victoire de Marseille 3-0 à Nice, Montpellier a étrié Brest chez eux, chez les Bretons 7-0. Troyes et Lorient se sont aussi imposés. Dimanche Soir Football, hein, tout de suite suivi de PSG, Monaco. Évidemment, pour terminer, un coup d'œil rapide sur le classement. Marseille provisoirement devant, un meilleur différence de but par rapport à Lens. Lyon, du coup, qui... j'ai pas vu, du coup. Moi, j'imagine qu'ils sont toujours en première partie du classement. Quatrième place. Et Reims, avant-dernier de ce classement.